voudrais vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette cérémonie de passation du pouvoir entre le coordonnateur sortant que je suis et le coordonnateur entrant, le président Martin Fayoulou. Évidemment, cette cérémonie, comme des traditions, a été précédée par les présidiums, les assises du présidium, comme de coutume. Évidemment, ces assises ont pris un peu plus de temps que d'habitude. Il faut rappeler aussi que la presse a fait des commentaires dans tous les sens. Les uns de bonne foi, les autres y ont allé un peu pour faire un peu d'instrumentalisation d'opinion. C'était tout à fait normal que nous prenions un peu plus de temps pour deux raisons. La première, c'était que nous sommes dans un contexte de corona et qui fait que, de manière générale, on n'est pas ensemble et qu'on les fait. On organise nos assises par vidéoconférence. Et comme il s'agissait de débats, c'est la deuxième raison, nous devions réviser notre convention. S'il vous plaît, monsieur de la presse. Vous dérangez un peu trop, un peu de silence, s'il vous plaît. Il n'y a pas de micro ni de débat. Si vous pouvez être silencieux. Il s'agissait pour nous de réviser notre convention. Comme vous le savez, dans ce genre de travail, il faut un peu de débat, des discussions, particulièrement pour des gens qui ne sont pas sur place et ensemble, donc ça a dû nous prendre un peu du temps. C'est ce qui fait que nous sommes partis, je crois, du 23 septembre au 9 septembre. Du 23 septembre au 9 octobre. Donc ça a pris un peu plus de temps. De manière globale, ça va être lu tout à l'heure par le porte-parole, nous avons changé la durée du mandat. On est passé de 3 à 9. Il fallait se mettre d'accord sur les délais, ça a pris un peu de temps. On se disait, ben, est-ce qu'on peut aller à 6, à 9? Donc, on s'est mis d'accord sur 6 mois. Ensuite, nous avons dit, dans le contexte actuel difficile, il faut simplifier la passation du pouvoir de manière à ce que désormais, la passation du pouvoir se fasse de manière automatique, qu'il n'y ait plus de rituels comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, on a dû décider aussi que le membre, plutôt le parti, des leaders qui sont les fondateurs de la MOCA, ce parti soit aussi membre adhérent. En attendant que les autres adhérents viennent, ils seront soumis à un critérium, bien entendu. Voilà, plus ou moins, je me limite à ça, le reste vous sera dit. Aussi, peut-être pour terminer, je dirais que mon mandat à moi s'est inscrit sur les signes ou les mots de la vérité des urnes, entendu comme vérité. Expression de vérité qui respecte la volonté du peuple. Comme vous savez, les élections 2018, décembre 2018, ont débouché sur un chaos. Et nous, la MOCA, nous demandions, par rapport à ces chaos, qu'on puisse récompter le voix. C'était ça pour nous la vérité des urnes. On ne nous a pas écoutés. On a dit, mais alors qu'on puisse publier les résultats. Comme ça, on pourra voir la vérité à travers la publication, circonscription par circonscription. On ne nous a pas écoutés. Et nous avons dit, la vérité, on peut l'avoir aussi en organisant des nouvelles élections, pour qu'on aille à la vérité des urnes. Là aussi, on ne nous a pas écoutés. Et nous avons dit, bon, très bien, on ne veut pas organiser des nouvelles élections. Nous voulons des élections qui peuvent avoir lieu un peu plus tard, mais le plus tôt possible. Mais ça suppose qu'il faut passer par des réformes électorales qui concernent les élections elles-mêmes, toutes les élections, et qui concernent aussi la loi, la CENI. Et mon mandat, c'était faire valoir dans l'opinion et en direction de ce qui ont confisqué le pouvoir, cette idée de la vérité des urnes, qui était consacrée par le plan du président élu. Pour nous, contrairement à ce qu'on a voulu faire comprendre et de mauvaise foi, la vérité des urnes n'était plus la vérité des urnes de décembre 2018. Nous savions que le mal était fait, mais nous savions que le peuple est éternel. On reviendra toujours à lui pour qu'il rétablisse la vérité. C'est pourquoi nous avons dit la vérité des urnes entendue comme des réformes par lesquelles il faut passer pour que les prochaines que nous voulons anticiper, en tout cas les plus rapidement possible, que celles-là soient au moins traduites de la vérité du choix de l'électeur. C'est pourquoi le combat de la MOCA, et j'ai essayé de les porter de la manière que vous savez, par des conférences, par des prises de position, mais aussi par des marches qu'on a eu à organiser. On a fait le tour du pays, on a fait le tour à l'étranger. Et voilà,
je peux me féliciter plus ou moins que au moins l'idée des réformes s'est imposée à nous tous, y compris aussi bien dans les chefs du peuple que dans les chefs de ceux qui sont en face de nous, d'autres parties prenantes, j'entends par là CASH et FCC, sont d'accord pour les réformes, mais la divergence entre nous, c'est quel cadre, quel cheminement. Voilà, c'est là où se situe la difficulté, et l'AMOCA a donné sa communication, sa position à ce sujet, quel est le cadre approprié. Et je m'en félicite, et je félicite la lutte de l'AMOCA et du peuple qui a appuyé cette action. Je vais passer la parole au porte-parole pour qu'il dise les décisions. Premièrement, la convention, la décision concernant la révision de la convention, de notre convention. Ensuite, les mots, ou si vous voulez, les communiqués finaux. Et par la suite, je reprendrai la parole avant de céder les flambeaux au président élu, M. Martin Fayoum. Il est donc désormais le coordonnateur de l'AMOCA. Monsieur les coordonnateurs sortants et les représentants des leaders de l'AMOCA, et je vous salue, et les représentants de la presse, les journalistes, et puis les représentants de nos plateformes qui sont ici, je vous dis bonjour. J'ai un petit mot. Ce mot, c'est très important pour moi aujourd'hui, de regarder l'état dans lequel se trouve notre pays. Et je mesure l'irresponsabilité des Congolais. Soulignez bien l'irresponsabilité des Congolais. Nous avons un pays qui nous a été légué par nos aïeux. Dieu a créé ce pays, il a donné à ses ancêtres. Et puis il y a des gens qui sont venus, qui sont passés, les Lumumba, les Kasavubu, les Kimbangu et tant d'autres. Et nous, les contemporains, aujourd'hui, on voit les pays partir. Et nous sommes dans des guerres inutiles. On s'invective. Tel a fait ceci, tel a volé, tel a été corrompu. Surtout la corruption. Parce que les gens croient que, parce qu'eux, ils sont corruptibles, que tout le monde est corruptible. La transitivité. Chers frères et sœurs, je mesure mes mots et je tiens compte de la responsabilité que nous avons tous aujourd'hui, pendant cette période. J'aimerais dire ceci à trois catégories de citoyens congolais. D'abord, aux membres de l'AMOCA. L'AMOCA, c'est la création du peuple congolais. Vous le savez, le peuple congolais nous a dit « ne nous trahissez pas ». Ayez un candidat commun. Et les leaders ont donné ces candidats communs au peuple. Et le peuple a soutenu l'AMOCA. L'AMOCA, c'est le peuple. Est-ce que ce que le peuple a donné, a créé, est-ce que c'est nous, leaders, et nos collaborateurs, qui devons le détruire? Je dis non. Et c'est très important. On peut avoir des divergences de vues, ce qui est tout à fait normal dans une société, dans un ménage, dans une famille, partout. Mais quelle est notre vision? N'est-ce pas de faire de ce pays, comme Lumumba avait dit, un pays prospère, un pays au centre du rayonnement de l'Afrique tout entière, et donner la prospérité à notre pays, le développement à nos citoyens? Et moi, j'ai dit, pour moi, je dois poursuivre cet objectif. Le choix des candidats communs est tombé sur moi. Le peuple a démontré aux leaders de l'AMOCA et à tout l'AMOCA que vous avez exaucé nos voeux et nous allons vous prouver que c'est nous, peuple congolais, qui confère le pouvoir. Et ils l'ont fait. Il est arrivé ce qui est arrivé. Mais ça, c'est un accident de parcours qu'on doit mesurer. Nous sommes dans un combat. Un combat sur notre pays. Je le cite de temps en temps parce qu'il faut le citer. Mobutu avait dit que ce n'est pas facile d'être le Congo.
Mais je ne sais pas si vous savez, si on donnait une dissertation à nous tous ici, qu'est-ce que nous allons écrire? Ce pays a fait l'objet de menaces depuis longtemps, de projets de balkanisation, de projets de sécession. Et aujourd'hui, nous allons aisément dans ces projets parce qu'on nous dirige là et aveuglés que nous sommes, par manque de stratégie, manque de vision, on s'engouffre dedans. Je dis non, moi je vais arrêter cette hémorragie là. Je vais arrêter. Je vais amener l'AMUKA là où le peuple a demandé de l'amener. Deuxième groupe d'individus, c'est les gens du FCC et des CACH. Ils ne sont peut-être pas ici, mais les journalistes sont là. FCC et CACH, vous avez usurpé le pouvoir du peuple. Vous le savez, vous n'avez pas été élu. Et aujourd'hui, nos tombes à nous tous seront profanées par nos arrière-petits-enfants. Parce qu'on aura, vendu ces pays. Je vous le dis et je pèse mes mots. Et vous savez ce qui se passe à Minembwe. Vous savez ce qui se passe en Ituri aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Vous le savez très bien. Et pourquoi vous, membres du FCC, qui êtes là avec Kabila, vous ne levez pas le doigt pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe? Pourquoi votre complicité? Pourquoi votre silence? Et ça, c'est très important. Donc, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, nous avons un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les gens se sont battus. Lumumba a perdu sa vie. Et beaucoup d'autres ont perdu leur vie. Et nous ne pouvons pas, nous, contemporains, voir ce pays aller ailleurs. La subtilité de nos amis, c'est de dépeupler nos contrées par des populations congolaises et repeupler par des populations rwandaises. Et vous allez voir, ce n'est pas un projet de 5, 10, 15, 25 ans. C'est un projet qui doit durer. Un jour, on viendra ici, on vous dira référendum d'autodétermination. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissez-vous pour que nous puissions rebâtir notre pays. Je parle maintenant au mouvement citoyen, à la société civile. Je félicite les mouvements citoyens. Grâce à ces mouvements qu'il y a ces réveils de conscience. Cet éveil des consciences. Et grâce à ces mouvements citoyens qu'on voit que le peuple, de temps en temps, s'est dit, mais tiens, l'espoir n'est pas perdu. Continuez le travail. S'il vous plaît, chers frères et sœurs des mouvements citoyens, ne dérapez pas. Ne soyez pas tentés par la corruption. La société civile, faites un travail intéressant, mais ne soyez pas partisans. Ne soyez pas partisans parce que quand c'est la personne que vous aimez et que vous soutenez, vous vous taisez. Et aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les silences de la société civile sur ce qui se passe à Minembwe. Je ne comprends absolument pas. Je ne suis pas, moi, de l'opposition républicaine ou tout ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'aucun membre de la société civile n'a pas encore demandé la démission de M. Rouberoy. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. M. Rouberoy n'a pas sa place. Il n'a pas sa place dans ce gouvernement, même s'il est illégitime. Il n'a pas sa place pour désarticuler les Congos. Des gens ont perdu leur vie ici. Et quelqu'un vient s'amuser de nous. Et nous sommes Congolais. J'entends les gens dehors, là-bas, crier. Mais vous criez pourquoi? Votre voix, ça sert à quoi? C'est le moment de se battre. C'est le moment de se battre pour défendre les intérêts de ce pays. Vous avez des gens que vous envoyez en Europe, aux États-Unis, étudier, avec des bourses. Et ces gens ont des passeports congolais, mais ils ne parlent aucune langue du Congo. Et vous trouvez ça normal? Et vous vous taisez ici?
Vous dites que moi je suis tel. Je combats Fayoulou. Vous le combattez pourquoi? Parce que, comme me disait Etienne Tshisekedi, on vous distrait. Vous voulez les massolos, et c'est ça les massolos qu'on vous donne, surtout vous les journalistes. Chers amis, regardez-moi en face. J'aurai 64 ans dans 2 mois. Ok? Il n'existe personne sur cette terre des hommes qui m'a donné 1 franc indûment. Il n'existe pas, il n'existera jamais. Je peux lever la main et vous le dire ouvertement. Googlez. Je peux vous donner les pays, tous les pays où j'ai travaillé. Demandez, je pouvais être millionnaire aujourd'hui. Si je ne le suis pas, parce que je crains Dieu. Je parle maintenant à l'élite congolaise. L'élite congolaise a totalement déçu. L'élite congolaise a démissionné. L'élite congolaise, où est l'élite? Où est l'élite? On parle de Minembwe. Où est l'élite congolaise? Où est des gens qui étaient ici formés par les cardinal Malula? Où est l'élite congolaise? La succession. L'élite congolaise. Il y a des gens chez eux qui travaillent, qui organisent des sessions de formation, des sessions pour expliquer aux gens ce qui se passe. Dieu merci que nous avons le docteur Mukwege. Dieu merci. Et je remercie l'Éternel pour ça. On ne peut pas laisser tous les combats à un seul individu. Où est l'élite congolaise pour nous parler des rapports mapping? Pour qu'on ne parle pas des rapports mapping. Où est les journalistes congolais pour parler des rapports mapping? J'ai suivi hier sur Radio France Internationale dans l'émission Géopolitique, les rapports mapping. Comment les Occidentaux maîtrisent ces rapports? Est-ce que nous maîtrisons ces rapports? Est-ce que nous tous nous avons lu ces rapports? Est-ce que nous connaissons les 617 cas de violations, d'exactions, d'atrocités contre les Congolais? L'élite congolaise, ressaisissez-vous. Il ne suffit pas de penser que parce que vous allez gagner 2 000 $, 3 000, 5 000, vous avez la possibilité de vous faire cet argent et que la vie se limite par là. Non. La vie, c'est 90 millions de Congolais. Le Congo n'est pas la ville de Kinshasa. Le Congo ne se limite pas à 10 000 km² de Kinshasa. Le Congo, c'est les 2 345 460 km². L'élite, je répète encore, ressaisissez-vous. Cinquième catégorie, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, un peuple merveilleux. Vous avez démontré de quoi vous êtes capable. Vous continuez. Mais continuez, ce peuple, en tant que peuple, à revendiquer votre identité. Nous devons revendiquer notre identité. Continuez à repousser toute personne qui vient avec ces venins de division, de tribalisme. Tribalisme. On a dit qu'il fallait le tribalisme. Mais beaucoup de gens que je connais ici, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Maman Bazaï, parce que vous avez connu ma tribu avant, vous savez de quelle tribu j'étais? On se connaît depuis longtemps. Comment on peut simplement dire, voilà, vous êtes des tels. Allez voir dans le Congo central aujourd'hui. Ils avaient dit les nés Congo. Maintenant, ils commencent à dire qui sont Lungwana, qui sont les gens de Lukaya, qui sont les gens de Cataract, qui sont les gens de Bas-Fleuve. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Vous pensez que c'est sérieux? Qu'on vienne vous instrumentaliser aujourd'hui, peuple, arrêtez cette affaire. Le tribalisme n'existe pas. Et je cite encore Mobutu, s'il nous a laissé une chose et une seule, c'est l'unité nationale. Et Kolobo Moko. Et nous devons travailler. Donc, peuple congolais, des gens qui viennent vous parler du tribalisme, rejetez-les parce que ce sont des gens instrumentalisés sans qu'ils ne le sachent pour que Kabila et ses amis continuent à passer dans leur projet de balkanisation et de peuplement du Congo. Les derniers ou la dernière catégorie, c'est la communauté internationale. Communauté internationale, je vais la diviser en deux. La première, c'est les Occidentaux. Appelons-les comme ça. Je leur dis, Occidentaux, vous avez vu que vous étiez dans l'erreur totale. Vous avez soutenu cette coalition FCC-CACH qui n'a pas gagné les élections.
Aujourd'hui, vous devez vous rendre à l'évidence qu'ils ne peuvent nous... Donc les gens, les membres de cette coalition ne pourront nous mener nulle part. Le pays sombre. Vos concitoyens payent leurs impôts. Et ces impôts servent en partie à financer vos projets de coopération. Mais n'est-ce pas, vous avez dit, nous ne voulons plus d'aide, mais nous voulons le commerce. Les Américains, ils ont dit ça. Comment nous pouvons nous développer tout le temps avec les aides? Il y en a qui se targuent en se disant, oui, mon pays met chaque jour qui passe $1 million dans ces pays. Mais mon pays, le Congo, peut se faire 100 fois plus que ça tous les jours. Vous avez compris que vous êtes dans l'erreur et nous vous demandons, je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir. Monsieur Félix Tshisekedi ne nous amènera nulle part. Il est incapable d'amener ce pays là où nous voulons l'amener, où le peuple veut qu'il aille. Et vous le constatez. Personne d'entre vous n'est dupe, mais vous ne voulez pas le dire aujourd'hui. Je vous demande de prendre des décisions, de nous aider à sortir de cette crise. Il y a des solutions. Nous avons parlé dans la déclaration de Lamuka, nous voulons des réformes institutionnelles, notamment au niveau de la loi électorale et de la commission électorale. Nous avons besoin de ces réformes le plus rapidement possible pour aller aux élections. On ne peut même pas attendre 2023 parce que ça, c'est faire souffrir le peuple congolais. C'est la rentrée des classes aujourd'hui. On a parlé de la gratuité de l'enseignement. La communauté internationale, vous avez dit, oui, on voit quelques lueurs d'espoir parce qu'il y a la lutte contre la corruption. Je vous pose la question, M. Kamere est où? Est-ce qu'il est toujours en prison? M. Kamere, on a parlé de $66 millions. Il a déjà restitué combien? Le projet de 100 jours, plus de $400 millions. L'équipe technique qui travaillait avait pris 5%. Et les 5%, certains d'entre eux avaient dit qu'ils pouvaient remettre. Est-ce qu'ils ont déjà remis? Est-ce que vous avez vraiment un état de droit où il y a la justice maintenant? Est-ce que les cachots de l'ANR sont fermés? Communauté internationale, ressaisissez-vous. Communauté internationale, partie africaine. Les pères de l'unité africaine, de l'union africaine. En 1963, quand ils ont créé, ils avaient une vision pour ces continents. Et nous avons besoin des continents. Nous avons besoin de vous en tant que frères et sœurs. Ne laissez pas les Congos. Ne pensez pas que les Congos démantelés, c'est une solution pour l'Afrique. La charte de l'Union africaine est très claire. Ne venez pas nous dire ici que nous tous, y compris les Occidentaux, nous travaillerons pour que le Congo garde ses frontières de 1885. C'est un langage que nous comprenons. Et c'est un langage de saupoudrage. C'est un langage pour nous mettre le beurre sur les lèvres, du miel sur les lèvres. Parce que la balkanisation a pris une autre forme. Union africaine, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, aidez le Congo à aller de l'avant. SADC, s'il vous plaît, messieurs, mesdames de la SADC, faites comme la CDAO pour que nous puissions travailler main dans la main et amener l'Afrique là où le monde entier l'attend. Voilà, chers amis, le message que j'avais à ces 6 catégories des membres de la communauté mondiale, de la communauté humaine, pour que nous puissions tous nous ressaisir et construire un pays, le pays, ces pays de nos ancêtres, main dans la main. Merci, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Tombes et nos tombes à nous tous seront profanées par nos arrière-petits-enfants. Parce qu'on aura, vendu ces pays. Je vous le dis et je pèse mes mots. Et vous savez ce qui se passe à Minembwe. Vous savez ce qui se passe en Ituri aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe à Beni, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Vous le savez très bien. Et pourquoi vous, membres du FCC, qui êtes là avec Kabila, vous ne levez pas le doigt pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe? Pourquoi votre complicité? Pourquoi votre silence?
Et ça, c'est très important. Donc, j'aimerais dire à mes frères et sœurs, nous avons un pays qui nous a été légué par nos ancêtres. Les gens se sont battus. Lumumba a perdu sa vie et beaucoup d'autres ont perdu leur vie. Et nous ne pouvons pas, nous, contemporains, voir ce pays aller ailleurs. La subtilité de nos amis, c'est de dépeupler nos contrées par des populations congolaises et repeupler par des populations rwandaises. Et vous allez voir, ce n'est pas un projet de 5, 10, 15, 25 ans. C'est un projet qui doit durer. Un jour, on viendra ici, on vous dira référendum d'autodétermination. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissez-vous pour que nous puissions rebâtir notre pays. Je parle maintenant au mouvement citoyen, à la société civile. Je félicite les mouvements citoyens. Grâce à ces mouvements qu'il y a ces réveils de conscience, cet éveil de conscience. Et grâce à ces mouvements citoyens qu'on voit que le peuple, de temps en temps, s'est dit, mais tiens, l'espoir n'est pas perdu. Continuez le travail, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs des mouvements citoyens, ne dérapez pas. Ne soyez pas tentés par la corruption. La société civile, faites un travail intéressant, mais ne soyez pas partisans. Ne soyez pas partisans parce que quand c'est la personne que vous aimez et que vous soutenez, vous vous taisez. Et aujourd'hui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les silences de la société civile sur ce qui se passe à Minembwe. Je ne comprends absolument pas. Je ne suis pas, moi, de l'opposition républicaine ou tout ça. Je ne comprends pas comment est-ce qu'aucun membre de la société civile n'a pas encore demandé la démission de M. Roubéroy. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. M. Roubéroy n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Dans ce gouvernement, même s'il est illégitime, il n'a pas sa place pour désarticuler les Congos. Des gens ont perdu leur vie ici. Et quelqu'un vient s'amuser de nous, et nous sommes Congolais. J'entends les gens dehors, là-bas, crier. Mais vous criez pourquoi? Votre voix, ça sert à quoi? C'est le moment de se battre. C'est le moment de se battre pour défendre les intérêts de ce pays. Vous avez des gens que vous envoyez en Europe, aux États-Unis étudier avec des bourses. Et ces gens ont des passeports congolais, mais ils ne parlent aucune langue du Congo. Et vous trouvez ça normal? Et vous vous taisez ici? Vous dites que moi je suis tel, je combats Fayulu. Vous le combattez pourquoi? Parce que, comme me disait Etienne Tshisekedi, on vous distrait. Vous voulez les Massolo, et c'est ça les Massolo qu'on vous donne, surtout vous les journalistes. Chers amis, regardez-moi en face. J'aurai 64 ans dans 2 mois. Ok? Il n'existe personne sur cette terre des hommes qui m'a donné 1 franc indûment. Il n'existe pas, il n'existera jamais. Je peux lever la main et vous le dire ouvertement. Googlez. Je peux vous donner le pays, tous les pays où j'ai travaillé. Demandez, je pouvais être millionnaire aujourd'hui. Si je ne le suis pas, parce que je crains Dieu. Je parle maintenant à l'élite congolaise. L'élite congolaise a totalement déçu. L'élite congolaise a démissionné. L'élite congolaise, où est l'élite? Où est l'élite? On parle de Minembwe. Où est l'élite congolaise? Où est des gens qui étaient ici formés par les cardinals Malula? Où est l'élite congolaise? La succession, l'élite congolaise, il y a des gens chez eux qui travaillent, qui organisent des sessions de formation, des sessions pour expliquer aux gens ce qui se passe. Dieu merci que nous avons le docteur Mukwege. Dieu merci. Et je remercie l'Éternel pour ça. On ne peut pas laisser tous les combats à un seul individu. On ne peut pas laisser les combats à un seul individu. Où est l'élite congolaise pour nous parler des rapports mapping? Pourquoi on ne parle pas des rapports mapping?
Où est les journalistes congolais pour parler des rapports mapping que j'ai suivis hier sur Radio France Internationale dans l'émission Géopolis, Géopolitique, les rapports mapping? Comment les Occidentaux maîtrisent ces rapports? Est-ce que nous maîtrisons ces rapports? Est-ce que nous tous nous avons lu ces rapports? Est-ce que nous connaissons les 617 cas de violations, d'exactions, d'atrocités contre les Congolais? L'élite congolaise, ressaisissez-vous. Il ne suffit pas de penser que parce que vous allez gagner 2 000 $, 3 000, 5 000, vous avez la possibilité de vous faire cet argent et que la vie se limite par là. Non. La vie, c'est 90 millions de Congolais. Le Congo n'est pas la ville de Kinshasa. Le Congo ne se limite pas à 10 000 km² de Kinshasa. Le Congo, c'est les 2 345 460 km². L'élite, je répète encore, ressaisissez-vous. Cinquième catégorie, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, un peuple merveilleux. Vous avez démontré de quoi vous êtes capable. Vous continuez. Mais continuez, ce peuple, en tant que peuple, à revendiquer votre identité. Nous devons revendiquer notre identité. Continuez à repousser toute personne qui vient avec ces venins de division, de tribalisme. Tribalisme. On a dit qu'il fallait le tribalisme. Beaucoup de gens que je connais ici, est-ce que vous avez connu ma tribu avant? Maman Bazaï, parce que vous avez connu ma tribu avant, vous savez de quelle tribu j'étais? On se connaît depuis longtemps. Comment on peut simplement dire, voilà, vous êtes des tels. Allez voir dans le Congo central aujourd'hui. Ils avaient dit les nés Congo. Maintenant, ils commencent à dire qui sont Lungwana, qui sont les gens de Lukaya, qui sont les gens des cataractes, qui sont les gens des bas fleuves. Vous pensez que c'est sérieux, ça? Vous pensez que c'est sérieux? Qu'on vienne vous instrumentaliser aujourd'hui, peuple, arrêtez cette affaire, le tribalisme n'existe pas. Et je cite encore Mobutu, s'il nous a laissé une chose et une seule, c'est l'unité nationale. Et Kolobo Moko. Et nous devons travailler. Donc, peuple congolais, des gens qui viennent vous parler du tribalisme, rejetez-les parce que ce sont des gens instrumentalisés sans qu'ils le sachent pour que Kabila et ses amis continuent à passer dans leur projet de balkanisation et des peuplements du Congo. Les derniers ou la dernière catégorie, c'est la communauté internationale. Communauté internationale, je vais la diviser en deux. La première, c'est les Occidentaux, appelons-les comme ça. Je leur dis, Occidentaux, vous avez vu que vous étiez dans l'erreur totale. Vous avez soutenu cette coalition FCC-CACH qui n'a pas gagné les élections. Et aujourd'hui, vous devez vous rendre à l'évidence qu'ils ne peuvent nous... Donc les gens, les membres de cette coalition ne pourront nous mener nulle part. Le pays sombre. Vos concitoyens payent leurs impôts. Et ces impôts servent en partie à financer vos projets de coopération. Mais n'est-ce pas, vous avez dit, nous ne voulons plus d'aide, mais nous voulons le commerce. Les Américains, ils ont dit ça. Comment nous pouvons nous développer tout le temps avec les aides? Il y en a qui se targuent en se disant, oui, mon pays met chaque jour qui passe $1 million dans ces pays. Mais mon pays, le Congo, peut se faire 100 fois plus que ça tous les jours. Vous avez compris que vous êtes dans l'erreur et nous vous demandons, je vous demande, s'il vous plaît, de vous ressaisir. Monsieur Félix Tshisekedi ne nous amènera nulle part. Il est incapable d'amener ce pays là où nous voulons l'amener, où le peuple veut qu'il aille. Et vous le constatez. Personne d'entre vous n'est dupe, mais vous ne voulez pas le dire aujourd'hui. Je vous demande de prendre des décisions, de nous aider à sortir de cette crise. Il y a des solutions. Nous avons parlé dans la déclaration de Lamuka, nous voulons des réformes institutionnelles, notamment au niveau de la loi électorale et de la commission électorale. Nous avons besoin de ces réformes le plus rapidement possible pour aller aux élections. On ne peut même pas attendre 2023 parce que ça, c'est faire souffrir le peuple congolais. C'est la rentrée des classes aujourd'hui.
On a parlé de la gratuité de l'enseignement. La communauté internationale, vous avez dit, oui, on voit quelques lueurs d'espoir parce qu'il y a la lutte contre la corruption. Je vous pose la question, M. Kamere est où? Est-ce qu'il est toujours en prison? M. Kamere, on a parlé de 66 millions de dollars. Il a déjà restitué combien? Le projet de 100 jours, plus de 400 millions de dollars. L'équipe technique qui travaillait avait pris 5%. Et les 5%, certains d'entre eux avaient dit qu'ils pouvaient remettre. Est-ce qu'ils ont déjà remis? Est-ce que vous avez vraiment un état de droit où il y a la justice maintenant? Est-ce que les cachots de l'ANR sont fermés? Communauté internationale, ressaisissez-vous. Communauté internationale, partie africaine. Les pères de l'unité africaine, de l'union africaine. En 1963, quand ils ont créé, ils avaient une vision pour ces continents. Et nous avons besoin des continents. Nous avons besoin de vous en tant que frères et sœurs. Ne laissez pas les Congos. Ne pensez pas que les Congos démantelés, c'est une solution pour l'Afrique. La charte de l'Union africaine est très claire. Ne venez pas nous dire ici que nous tous, y compris les Occidentaux, nous travaillerons pour que le Congo garde ses frontières de 1885. C'est un langage que nous comprenons. Et c'est un langage de saupoudrage. C'est un langage pour nous mettre le beurre sur les lèvres, du miel sur les lèvres. Parce que la balkanisation a pris une autre forme. Union africaine, s'il vous plaît, ressaisissez-vous, aidez le Congo à aller de l'avant. SADC, s'il vous plaît, monsieur, mesdames de la SADC, faites comme la CDAO pour que nous puissions travailler main dans la main et amener l'Afrique là où le monde entier l'attend. Voilà, chers amis, le message que j'avais à ces six catégories des membres de la communauté mondiale, de la communauté humaine, pour que nous puissions tous nous ressaisir et construire un pays, le pays, ces pays de nos ancêtres, main dans la main. Merci, je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Vous devez tout simplement retenir, contrairement à certaines rumeurs qui ont circulé, que tout se passe bien dans la Mouka, les leaders s'entendent. Je pense que vous avez vu les différents actes qu'ils ont signés. Tous les leaders ont signé, ceux qui ont été empêchés, ils ne sont pas à Kinshasa, ils se sont fait représenter. C'est ça l'exemple, effectivement, que la Mouka donne dans l'espace politique congolais, où il y a quatre grandes personnalités qui, des fois, peuvent avoir quelques divergences, mais ils finissent par se mettre d'accord. Pour le reste, au moment opportun, ils vont décider. La Mouka, contrairement à Barumer et Bélé Bandaki qui ont circulé, que la Mouka et Zalika Ramakasi, les leaders basali ensemble. Tolingi Kolobate, que divergence et Zangata. Non, mais démocratie n'est pas là. Et Sengeli Tango Bozako Solo, à un certain moment, vous allez d'accord, mais l'essentiel est que Souka Souka, pour se mettre d'accord. Yangoana, exemple, yo, la Mouka Zali Kola Kisa, Zali, exemple, la démocratie, Nakati Yambo Kanabiso. Merci. Maître, est-ce que le problème pour votre pays qui est aussi pour non, le problème est là qui était. Tant que vous avez solo là, Bokoki Moto Akanisibo, Mso Akanisibo, Ezali, pas divergence normale dans le cadre de la démocratie. Oyo, Batobari, Koiko, Lobali, Kambo, mon côté, mais essentiel, Ezali, la démocratie, que attaque au na moi différence, Souka, Souka, Boyo, Kana. Parce que la Mouka, Ezali, ba leader, ba melam bondo devant le peuple. Baloba va ko trahir peuple te, yangoana bango mine bazali, bazali ko trahir peuple te, tozali ko tambola, kino toko zongi sa peuple na bokondi na ye comme souverain, pe toko récupérer bokondi au peuple. Sur y a ba militaire nyon so bazali ou ezali ko définir réellement ou ezali a sentiment ya peuple, parce que population a zela ki mingi, ba leader nabiso ba se réaffirmer l'issou sou na kati ya peuple, parce que la Mouka ezali coalition. Oezali autour il y a majorité populaire, Oezako exprimer volonté à souverain primaire congolais et population azali na sengo, parce que passation il y a coordination entre
coordonnateur Adolphe Mouzi Topé, coordonnateur entre Martin Fayulu, ils allaient qu'au définir accentuation et à combat aux Tosalina Ngo, qu'on a qu'au ya politisation, il y a des institutions locales à Séni, qu'on a qu'au Lingaye, tu n'as pas pour mieux qu'au ya volonté à peuple, ils allent réellement au Séni à republier. Il y a un peza au Tokoki qu'on retenir na kati ya bilan ya coordonnateur Adolphe Mouzi To, au ATI population. Quant au fonctionnement, il y a des institutions, il y a des populations. Quant au fonctionnement, il y a des irrégularités, il y a des institutions locales, l'Assemblée nationale, la population Azana Essengo. Peut-être que Bandi était dans le président Martin Fayulu, combat où il y a la libération du peuple, parce que tout ça, au monde, a l'élo. La population Azako s'est définie dans le leader, il y a quatre, notamment Ndeko Katumbi, Ndeko Bemba, Ndeko Mouzi Topé, président élu Martin Fayulu. Oui, bilan est largement positif parce que le coordonnateur Mouzito Azali Moto Azako s'est définir na kati ya qualité. Parce que le rapport na entre yena population et sa liette population, lelo à comprendre en jeu politique au Ezali Bosso, peut à comprendre ndenge nini, il faut s'engager na kati ya lutte au Ezali à libération à Congo. En effet, situation à Minembo, Ezali combat, il y a Yemoko leader Nabiso Adolphe Mouzito. Oh, on a 2012 à Boyaki qui a signé décret au Salaki Minembo à la commune rurale. Alors les lobbies sont eux qui appellent le président élu Martin Fayulu, puisque ils allaient combattre au leader Nabiso à Banda qui a la politique naé Kino Kala, yango toko se mobiliser peut-être bengi ba jeune nyoso ya Kinshasa, bas à Nanzela le 14, Tolingi Minembo et à la commune rurale T, Tolingi ba institution ya République Nabiso ya RDC et à la envahi na occupation T, Tolingi vraiment indépendance ouana, Tolingi to préserver souveraineté à peuple. Yango on a combat les alliés à Lamuka et à président Nabiso Martin Fayulu. Na lingina tikala na bosembo na ligne de conduite ya Lamuka. Lelo les alliés mokolo ya sengo. Ya komono ke bakondi ya Lamuka bakutani ni balé bazali présent ni balé batindi bande kona bango ndeke to moni bango wana donc bango ba so banai. Pe mukanda lo kase sinyame na bato nyoso 4 na we balobaki elakisi ke Lamuka ezayini eloko ya ko retenir pona makambo etali Minembwe ezali message ya mwana mboka coordonnateur ya sikoyo president Martin Fayulu okomona lobi nini mercredi oyo apesi lolaka totele mabiso banso pona kotambola kotambola koloba nona Minembwe. Non, na makambo ezo salema toloba ke non pona nini balkanisation to boy yango yango tolobi non na balkanisation okomona na ba pakate ba banderole ba message oyo kokomama pona koloba lelo yo ndenge Lamuka balobi boyebi na ba election mapona binege salema ki coordonnateur ya bimi ancien premier ministre Mouzito alobi polele kao electoral o to uti na yango. On a tout évité en haut, tout ça la réforme. Parce qu'il y a la mouka, la réforme et salam. On dehors la institution, na groupe mi balé, coalition FCC cash na ngambo, na coalition la mouka, bon on va dans l'intérêt à mouka, on a tout bon isamboka. On est allé, minembwe, mercredi, tout côté le ma, on a tout le ban non, na balkanisation, na yemoko, mon amboka, président Martin Fayulu, coordonnateur, on a banni Mosala Lelo. Pe tokosenga ke na unité wana ndenge sinyame batonyoso bisika bakozala unité wana et continuer bango 4 même pona marche pona baction yonso ezala modele wana pona lokasa balobi bango basobane bako apporter soutien na coordonnateur ya sikoyo